Attendez, vous avez... Bah, allez-y, parlez plus fort parce que maintenant c'est... Oui, oui, bah, j'écoute un peu. Écoutez, tout, c'est tellement compliqué. Enfin, à la fois, on se met sur Deezer, on laisse tourner, et puis on entend un peu tout ce qui se passe. Alors, la difficulté avec ça, c'est qu'ils ont développé des algorithmes qui vous amènent toujours dans ce que vous préférez et ce que vous aimez. Donc, il faut un petit peu leur mentir de temps en temps pour pouvoir accéder à d'autres formes de propositions musicales. Mais bon. Moi, je suis ouvert à tout. Toutes les musiques me plaisent, à partir du moment où je les trouve intéressantes, quoi. Il y a un travail de Frank Ocean, ou je sais pas, il y a des gens magnifiques dans le rap. Il y a de tout, quoi. Et donc, je pense que c'est un peu trop simple de considérer que c'est quelque chose dans lequel on ne veut pas rentrer. Voilà, et puis moi j'aime bien aussi parce que je trouve que justement aujourd'hui, quand je suis en train de travailler sur un autre album, et comme j'expliquais, la part du son a pris une position importante, et donc je suis obligé d'en tenir compte. Ça fait partie maintenant de. Ça prolonge un petit peu la création de la musique, quoi. On passe à ce qui était le cas quand on faisait les orchestrations, parce que les orchestrations. Permettait ça, après avec même les orchestrations pop, hein, je veux dire avec les synthés, tout ça, il y avait on travaille, on fait vraiment quelque chose de... C'est de la sculpture, quoi, sonore, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça, c'est plus que de l'utilisation des instruments, des associations, des collages, des choses qui produisent des effets différents de ceux qu'on a déjà connus, quoi, voilà. Si